de l'issue. La fin du match, je vais faire le mauvais perdant. La Pro D2 est un championnat professionnel qui est vraiment d'un très bon niveau, voilà, et qui offre un spectacle exceptionnel. Aujourd'hui, ça a été un match très spectaculaire avec deux équipes vraiment qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont su chacune à leur tour faire front, revenir au score. C'est vraiment été un match fabuleux. Mais à ce jeu, il faut être 31. Et là, je ne suis pas en train de dire... Mais on ne peut pas continuer à avoir, et très franchement, quelle que soit l'issue, je voudrais être bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que... Mais on ne peut pas continuer avec des arbitrages aussi faibles, quoi. Et j'en veux pas, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais qu'on les forme, qu'on les aide à bien arbitrer. Je ne vais même pas m'en prendre à lui. Mais ça suffit, quoi. On n'a pas d'arbitrage vidéo. On a des arbitres qui ne sont pas formés. On attend quoi? Il y a un nouveau président à la Fédé. Il fait quoi? Est-ce que vous vous rendez compte les enjeux qu'il y a aujourd'hui pour Angoulême, pour Perpignan, pour tous les clubs? Mais c'est pas possible que les matchs se jouent comme ça sur des décisions d'arbitrage. Il y a des décisions d'arbitrage qui sont très difficiles à prendre. Et ça, je peux le concevoir. Mais quand il y a autant d'erreurs, deux cartons jaunes qui n'y sont pas, preuve la vidéo. C'est pour ça que je dis, je regrette qu'il n'y ait pas la vidéo pour aider les arbitres. Mais il va falloir que en haut, la Ligue prenne les mesures nécessaires, ou de formation, ou de trucs. Mais il faut permettre à ce championnat, qui est un très beau championnat, qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire, c'est plusieurs décisions au fil du match qui vont arriver. Oui, mais c'est les décisions d'aujourd'hui, c'est les décisions d'autres matchs, c'est un ensemble, voilà, moi c'est un ras-le-bol. Les mêlées aussi, les mêlées c'est très simple, pilier droit, pilier gauche, il y a les observables qui sont mis en place, que ce soit le bras, les attitudes, c'est pas très difficile de voir les observables et de les appliquer. Donc oui, ce soir je suis en colère, mais au-delà du résultat, c'est une accumulation. Je suis en colère pour notre rugby, je suis en colère pour notre Pro D2. Parce que, comme je dis, je crois que tout le monde l'entend, je ne suis pas en train de dire on aurait dû gagner, on aurait dû... Voilà, oui, bien sûr, je suis déçu pour nos mômes, parce qu'on avait la moitié de l'équipe espoir, là, et que voilà, et je suis à la fois déçu pour eux, mais à la fois je suis ravi des choix qu'on a faits, et que je sais que tous ces espoirs-là, eh bien, ils font vraiment partie de notre groupe. Donc oui, je suis frustré du résultat et à la fois plutôt satisfait, plutôt très heureux du comportement de notre équipe. Oui, parce que vu vos conditions du moment, c'est vrai que c'est le bain de fraîcheur aujourd'hui, c'est cette performance des espoirs, oui, surtout sur la deuxième mi-temps. Oui, sur la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps était difficile parce qu'on joue quand même 20 minutes à 14, qu'on fait front et qu'on a eu la capacité. On rate une ou deux occasions très franches d'entrée qui peut faire un début de match, ça n'aurait peut-être rien changé à la fin. Hein. Les essais au bout d'une minute de jeu, ça change rarement le scénario d'un match. Pour autant, on a su revenir au moment juste avant la mi-temps. Donc c'était bien la preuve que l'équipe était dans le match, qu'elle ne subissait pas, qu'elle subissait un petit peu, mais qu'elle était capable de répondre et d'aller chercher des points. Donc oui, beaucoup de satisfaction sur ce résultat, bien sûr. Ouais, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à l'arrivée, c'est deux points, de bons points pris à l'extérieur, de votre condition. Non, c'est deux bons points pris devant une très bonne équipe, et suite à notre défaite, c'est deux bons points qui arrivent au très bon moment. Qu'est-ce qui vous a manqué à la fin pour garder cette victoire? Je vais en parler depuis 10 minutes. Vous êtes abonné au match nul à Angoulême? Oui, mais bon... Il y a pire, hein, mais c'est vrai, ça, on dirait que ça, c'est une suite comme ça. Hein. En tout cas, ça prouve depuis 2 ans qu'on mène toujours Angoulême et qu'on ne sait pas tenir le résultat.